on est au-dessus de la Clusa dans le col des Aravis. Pour l'instant, c'est bien. Une bonne température. Je suis sur de bonnes bases. La première grosse difficulté, ça va être le cornet. On verra après. Là, t'en as encore pour 20 km. Ouais. Là, ça va être le plus dur. Ouais. Hein ? Ouais. Dès que c'est dur, t'enlèves une dent. On va commencer à redescendre, le soleil va commencer à redescendre et puis dans quelques heures on va attaquer la nuit. Et bah, ça va pas mal, maintenant on va attaquer le Galibier, hein. 35 bornes, donc ça va m'occuper un petit moment là. Ça va, ça va. On va attaquer Vars maintenant. Il est 2h40 du matin. J'ai un petit coup de barre là, mais bon, on va voir, ça va faire le tour. Moi, je pense que le moment mémorable, c'est quand même l'arrivée sur la Bonnette avec la lune qui se couche d'un côté et puis. De l'autre côté, le soleil qui est en train d'arriver, et non, ça a été, c'est juste splendide. Il n'y a pas un bruit, on est seul au monde. Passé par un très grand nombre d'états, que ce soit de la grande forme, normale, et puis des gros coups de barre, difficiles à gérer, physiquement, mentalement. C'est vrai que les derniers cols, eh ben, ils se sont tous faits au mental, hein. La nuit, avec le Galibier, l'Isoar, Vars, et puis la Bonnette pour terminer, là j'ai vraiment, mentalement, je me suis battu. Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir fait ça. Cette traversée des Alpes, d'arriver à Nice ici, pour moi, c'est un aboutissement. Et je pense que c'est certainement un de mes plus gros défis que j'ai eu l'occasion de faire.